des vieux le catalogue, là, faut que je t'en fasse. Je tiens le magasin à mon compte depuis 15 ans, mais j'y avais travaillé 13 ans avant pour la personne qui m'a laissé l'affaire. Mon métier consiste à acheter à l'étranger ou à fabriquer moi-même des pièces détachées que je revends ici ou par correspondant. Ce sont toutes les chevilles qu'elle croit, c'est trop. Donc, là, il la met dedans. Il y a des pièces détachées pour l'industrie, les voitures, et il y a aussi un ou deux magasins en France pour réparer les pianos. C'est là où les accordeurs viennent se fournir. 23. Maintenant, c'est plutôt la conservation, pas au point des musées, mais il s'agit de retrouver une pièce pour qu'une note d'un piano historique intéressant puisse refonctionner. Par exemple, un Pleyel qui a été fabriqué en 1920, il n'y a plus aucune pièce. Et ça se justifie de le prendre, de le démonter proprement, que ça soit comme une banque d'organes pour réparer des pianos qui seront mieux, en meilleur état et qui ont perdu des pièces d'origine. Quand je dois en casser un, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Je recule au maximum le moment de la mise à mort. Mais le don d'organes, c'est ça. Là, il est plus petit, il va moins me gêner. Il va offrir quand même les pièces détachées et le clavier et peut-être même le bois de la table d'harmonie va être découpé en flipo pour réparer d'autres pianos. Et en même temps, je cherche un son qui n'existe pas. Je rêve plus tard de me faire un monocorde. Quelque chose qui aura un son un peu luth, harpe et piano à la fois, et une seule corde, la pureté d'une seule corde. Quelque chose qui parle vraiment, qui parle français. Je ne rêve jamais de piano la nuit. En 30-35 ans, je n'ai jamais rêvé de piano. Je rêve de voile, de traversée, de vraies aventures. Malheureusement, chaque année, je vends un tout petit peu moins. Donc, si ça continue à cette baisse, il me reste 8-10 ans à faire. Je pense que j'arriverai à rester un homme libre jusqu'au bout. Moi, du moment que j'ai de l'eau, une bougie, un livre relié, un vieux piano, je resterai en vie. Mm-hmm.